Madame, c'est la police, ouvrez s'il vous plaît. Madame. Attendez, mademoiselle. Là, attendez. Mais attends, mademoiselle. T'étais où, Isa, là? Ça fait deux jours que j'essaye de t'appeler, t'es malade ou quoi? Non mais attends, mais heureusement que je me suis enfuie, sinon je me faisais arrêter par les flics. Je suis rentrée 2 heures plus tard. Complètement folle. Et puis déjà, c'est quoi ces cheveux, là? Mais c'est dégueu. Mais non, mais ça c'est rien, c'est parce que j'ai fait la kermesse des petits pour le spectacle de l'école. Je jouais l'épouvantail. Bah oui, ça fait flipper, ouais. Il faut que je te dise un truc. Le flic qui est venu chez toi l'autre jour pour ton anniversaire. Mais c'était un stripteaseur privé qu'on avait payé avec les copines. C'était pas un vrai flic, en fait. C'est pas vrai, mais c'est ça que t'as fait pour mon anniversaire? T'as pensé à... Alors qu'il y a une plainte contre nous, on peut se faire arrêter tous les jours, tu m'envoies les flics pour faire la danse du ventre? Non, mais franchement, Isabelle... Je te dis autre chose. Faut que je te dise autre chose, ça va pas te faire plaisir. Quoi? Je suis ta sœur cadette et t'es la plus vieille. Okay. Non, je déconne. Elle a retiré sa plainte depuis plus d'une semaine. Quoi? Moi, je voulais te faire marcher pour garder le suspense pour ta surprise d'anniversaire. Ça, c'est ton cadeau d'anniversaire, mais t'es vraiment... Mais j'en ai marre, moi, je veux plus te parler d'abord. Je veux plus te parler, tu m'énerves. Tu me fais toujours des blagues comme ça, tu m'énerves. Anaïs, tu boudes? Oui, je boude. Oh, allez. Bonjour, les petites poulettes en sucre. Big Max. Pour vous, les filles. Allez, les filles. Tu kiffes, hein? Allez, on passe un peu là. Big Max. Vous en faites pas, hein? Ah ouais.